Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Die now.
chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 106 à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Au mont Horeb, ils se fabriquèrent un veau. Ils offrirent leur culte à un bout de métal. Ils remplacèrent Dieu, qui était leur titre de gloire, par la statue d'un bœuf, un vulgaire herbivore. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait ses grandes choses en Égypte, ses merveilles au pays de Chan, ses miracles à la mer des roseaux. Dieu parlait alors de les exterminer, mais celui qu'il avait choisi, Moïse, s'interposa pour le retenir de tout détruire dans sa colère. Puis ils ne voulurent plus rien savoir du pays de leurs rêves. Ils ne croyaient plus à la promesse de Dieu. Ils protestèrent sous leur tente. Ils n'écoutaient plus ce que disait le Seigneur. Alors, levant la main, il fit le serment de les laisser mourir dans le désert, de disperser partout leurs descendants et de les laisser mourir chez les païens. À Péor, ils se livrèrent au culte du dieu Baal et mangèrent des viandes offertes en sacrifice à des dieux morts. C'était provoquer le Seigneur. Un fléau s'abattit alors sur eux, mais Pinhas était là. Il fut le justicier et le fléau prit fin. Le Seigneur lui donna raison pour toujours, pour toutes les générations à venir. Aux sources de Mériba, ils irritèrent le Seigneur et causèrent le malheur de Moïse. Exaspéré par eux, il parla sans réfléchir. Ils n'ont pas éliminé les Cananéens, contrairement à l'ordre du Seigneur, mais ils se sont mêlés aux païens, ils ont appris leurs pratiques, ils ont offert un culte à leur divinité, tombant dans le piège de l'idolâtrie. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des faux dieux.
Ils ont répandu le sang des innocents, le sang de leurs fils et de leurs filles, sacrifiés aux dieux de Cananéens, et ces meurtres ont souillé le pays. En agissant ainsi, ils se sont rendus impurs. C'était une prostitution. Alors, le Seigneur fit éclater son indignation contre son peuple. Il prit en horreur ce qui était son bien le plus personnel. Il les livra aux nations étrangères. Ils eurent comme maîtres des peuples qui les détestaient. Ils subirent l'oppression et l'humiliation de la part de leurs ennemis. Bien des fois, le Seigneur les délivra, mais ils restaient obstinément rebelles et enfoncés dans leurs fautes. Le Seigneur entendit leurs plaintes et constata leur détresse. Il pensa à l'engagement qu'il avait pris à leur égard. Il est si bon qu'il changea d'avis. Il éveilla pour eux la pitié de tous ceux qui les retenaient prisonniers. Seigneur notre Dieu, sauve-nous. Arrache-nous aux nations étrangères et rassemble-nous. Alors, en te louant, nous prononcerons ton nom unique. Nous nous réjouirons de t'acclamer. Merci au Seigneur, au Dieu d'Israël. Remerciez-le en tout temps. Que tous ceux qui sont présents disent « Amen, oui ». Qu'il en soit bien ainsi. Alléluia. Vive le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Ruth au premier chapitre, les versets 1 à 14. À l'époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses deux fils. Ils allèrent habiter pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses deux fils Mahlon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec mourut et Noémie resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Au bout de 10 ans, Mahlon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses enfants et de son mari. Au pays de Moab, Noémie apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Alors, elle se prépara à quitter ce pays avec ses deux belles filles. Elles partirent ensemble pour retourner au pays de Juda. Mais en chemin, Noémie leur dit, « Rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison d'un mari. » Puis, il embrassa ses deux belles filles pour prendre congé, mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent « Non, nous t'accompagnons auprès de ton peuple. » Noémie reprit « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Rentrez chez vous. « Laissez-moi, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il n'y a encore de l'espoir pour moi,
cette nuit même, je serai à un homme qui me donnera des fils. Pourriez-vous attendre qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles, c'est contre moi que le Seigneur s'est tourné. Mon sort est beaucoup trop dur pour vous. Les deux belles filles pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpah embrassa sa belle-mère pour prendre congé, mais Ruth refusa de la quitter. Ici prend fin la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 11, les versets 17 à 29. Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit, « Je sais qu'il se relèvera de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, » répondit-elle, « je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Sur ces mots, Marthe s'en alla appeler sa sœur, Marie, et lui dit tout bas, « Le Maître est là et il te demande de venir. » Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut au-devant de Jésus. Ici prend fin la lecture. Voici quelques points à retenir de ce texte de l'Évangile que nous venons d'entendre. Le texte est intitulé « La mort de Lazare ». Jésus en profite pour enseigner ceux présents sur la résurrection. Comme la croyance en la résurrection n'est pas partagée par tous les croyants du judaïsme à l'époque de Jésus. L'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22, le verset 23, nous confirme que les Sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts. C'est un thème qui reste incompréhensible. Dans le ministère de Jésus, il met de l'emphase sur la résurrection, sur la vie éternelle et sur le royaume des cieux. Le texte nous dit que Jésus va à la rencontre de Marthe et Marie, qui sont éprouvées par la mort de leur frère Lazare. Marthe, en apercevant Jésus au loin, court à sa rencontre. Elle, comme une juive, croit toujours que son frère sera ressuscité lors de la résurrection des morts au dernier jour. Mais en même temps, Marthe a confiance en Jésus. Marthe croit fermement que Jésus ferait un miracle s'il était présent. Marthe est confuse sur les thèmes de la résurrection. Elle ne comprend pas encore
que la résurrection que Jésus offre n'est pas celle du dernier jour, mais une résurrection qui commence maintenant dans le temps présent. Celui qui croit en Jésus vit déjà une vie ressuscitée dans le Christ. À travers ce dialogue, Marthe est transformée. Jésus invite Marthe à croire en lui, comme il affirme qu'il est lui-même la source de la résurrection. Cette conversation avec Jésus a permis à Marthe à approfondir sa foi, à voir en Jésus le Sauveur, et aussitôt transformée. Marthe invite sa sœur Marie à rencontrer Jésus pour qu'elle soit elle aussi transformée à son tour. À travers ce récit, Jésus nous enseigne qu'il est la source de la résurrection. Il nous invite à croire en lui. Comme Jésus dit au verset 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Mes amis, ce soir même, cette question nous est adressée. Jésus demande à chacun de nous si nous croyons en lui. Quelle sera notre réponse? Pourrions-nous répondre avec fermeté, comme Marthe, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Oui mes amis, pourrions-nous répondre ceci à Jésus? Oui, nous croyons. Alors, laissons cette parole nous transformer. Soyons comme Marthe et vivons une vie ressuscitée en Jésus, comme c'est lui qui nous donne la vie éternelle. La vie ressuscitée est la vraie vie que chaque croyant espère. C'est la vraie vie que nous avons en Jésus. Une vie pleine de joie, d'espérance et d'amour. Ce texte évoque la vie que Dieu donne, évoque la résurrection offerte à l'humanité par amour. Cette résurrection qui est la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas rencontré Jésus encore, pour tous ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Nous prions aussi pour ceux qui ne vivent pas une vie ressuscitée dans le Christ. Amen.
cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable,
Tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Amen. Short as the watch that ends the night.